Comme dans le Wadi Fira, les acteurs du secteur agricole se sont réunis autour de la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Bassim Dalidi. La rencontre a permis aux différents acteurs de faire un aperçu des activités et des investissements structurants au cours de cette campagne. Donné à l'appui, l'exercice aura permis d'évaluer les performances du secteur dans la province. Les manquements relevés sont d'ordre matériel. Beaucoup de nos producteurs sont habitués à cette culture mécanisée. Attendre le tracteur de jour en jour et les hommes publics passent. Vous, en tant que ministre de l'Agriculture, nous vous demandons d'instruire vos antennes, de ne pas confier les tracteurs aux chauffeurs qui sont formés 10 semaines. Ils n'ont aucune notion technique. Face aux difficultés soulevées, la ministre rassure que des mesures seront prises pour résorber la situation au profit des producteurs. Pour garantir que le producteur ne subisse pas les effets connexes. Et l'ANALA est imputable dans cette situation. Si on n'était pas en mesure d'envoyer les équipements pour pouvoir protéger la culture, il ne fallait pas envoyer les produits. Et je pense que ça, c'est une situation extrêmement grave et nous pensons que l'ANALA doit prendre ses responsabilités. Deuxième point, c'est la collaboration avec les partenaires. Quand nous disons collaboration avec les partenaires, il nous revient en tant que structure de l'État qui avons des prérogatives de les exercer. Et pour faire un rapprochement avec ce qui a été dit, la ministre Bassim Dalidi a visité le garage où sont stationnés des tracteurs. Constat, sur 191 tracteurs que compte la province du Wadaï, 131 sont sur cale. Elle s'est ensuite rendue à l'Agence nationale de lutte anti-acridienne. Le stock en présence est suffisant pour prévenir en cas d'apparition des ennemis des cultures. Cette deuxième étape dans le septentrion du pays a été marquée par une visite dans un périmètre agricole du groupement agricole mixte Alphonse pour écouter de vive voix les doléances des producteurs.